matin. Ce matin, je suis vraiment productive. J'ai acheté sur Amazon 3 cadeaux de Noël, dont un cadeau de Noël pour Léa de la part de moi et Flo. Je l'ai même pas encore dit à Flo, mais bon, il va falloir que je lui dise. Ensuite, j'ai acheté un cadeau pour mon oncle, un cadeau pour mon frère. Le cadeau que j'ai choisi pour Léa, je pense que c'est super. C'est un genre de livre électronique. Puis, c'est divisé, mettons, par section, section nourriture. Puis là, tu peux appuyer sur les images que tu vois. Disons qu'il y a une banane, tu appuies sur la banane. Puis là, ça va le dire en français et en anglais. Fait que ce que j'ai aimé, c'est que c'est bilingue. Fait que comme ça, Léa va pouvoir apprendre les deux langues. Déjà, on essaye de faire un apprentissage de cette façon-là. Moi, je lui parle en anglais et Flo lui parle en français. Puis à la garderie, ben c'est en français. Je pense que ça va être très bien pour elle, pour qu'elle puisse apprendre plus rapidement, apprendre de nouveaux mots. Sinon, aujourd'hui, j'aimerais ça sortir, aller au Dollarama. C'est un genre de magasin où tout est à 1, 2, 3 $. Voilà, c'est ça que j'ai acheté pour Léa. Je pense que, étant donné que c'est interactif, elle va adorer. Ça dit 100 premiers mots. C'est ça, il y a plein de catégories, les animaux, la nourriture, les repas, les couleurs, les activités, les contraires, les véhicules, etc. Puis il y a des chansons. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien. Puis c'était vraiment pas cher, là, ça dit ici, ça l'a coûté 19,88, puis c'est super bien, c'est super bien coté, là, 5 étoiles par 92% des gens, sinon 4 étoiles, 6%, fait que voilà. Sinon, il y a ça ici que Flo et moi, on veut s'acheter. Malheureusement, on peut pas l'acheter maintenant parce que si on le commande tout de suite, ça va arriver pendant Noël, puis ben, on sera pas à Montréal pour le réceptionner. Donc, on va attendre notre tour à Montréal. C'est un genre de faux cuir. Puis, tu peux lever le top puis mettre des jouets. Fait que je pense que ça va être parfait pour justement la pièce ici. Léa, elle amène souvent des jouets. On va pouvoir les mettre là-dedans. Encore une fois, c'est bien coté puis c'est vraiment pas cher. Là, c'est 29,99. Fait que c'est ça. Ça, on va s'acheter ça quand on va revenir de vacances. Ça va être bien pratique pour avoir plus d'arrangements. Bon, je suis dans ma salle de bain. Je m'en vais faire mes courses en comme 5-10 minutes maximum, mais je suis venue ici parce que Flo, avant la naissance de Léa, a construit un cabinet dans la salle de bain, qui est juste ici, pour stocker plein de choses, maquillage, produits de beauté, médicaments, produits à Léa, bref, vraiment de tout. Et c'est tellement désorganisé là-dedans, là, je vais vous montrer ça dans quelques secondes, puis j'aimerais ça acheter des petits bacs ou des petits paniers de rangement comme transparents. Puis je mettrais une petite étiquette, puis je dirais exemple vernis à ongles, puis je mettrais tous les vernis à ongles dedans, ou médicaments pour moi, médicaments pour Léa, etc. Donc je pense que je vais aller acheter ça. Là, j'étais en train de, de prendre quelques mesures pour être certaine d'acheter des bacs de rangement de la bonne grosseur. Puis je pense que ça va vraiment faire du bien de faire un petit peu de ménage là-dedans. Je vais pas filmer ça aujourd'hui, là, le rangement, parce que là je m'en vais acheter ce que j'ai besoin. Je vais probablement filmer ça demain, donc ça va apparaître dans la vidéo de demain autrement dit, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble présentement là. C'est pas super, c'est vraiment pêle-mêle, puis on se retrouve pas, en fait c'est ça le problème, on se retrouve pas là-dedans. Fait qu'on va arranger ça, mes amis. Mes courses. Je suis venue dans la chambre de Léa parce que Flo est dans la cuisine en train de faire un jus. Il essayait pour la première fois notre extracteur à jus.
Puis la fan qui tourne à cause qu'il fait des crêpes, fait qu'on n'entend rien. Bref, j'ai reçu un colis, puis je sais pas c'est quoi, j'ai oublié. Je sais que j'ai commandé quelque chose. Oh, je sais c'est quoi. Oh mon Dieu, je sais c'est quoi. Je viens juste d'avoir un flash. C'est les souliers de Léa pour Noël. Oui, c'est ça. J'avais-tu juste commandé ça? Hein? Oui, j'avais juste commandé ça. Ben, coudonc. Oh, je voulais montrer. Ben, je l'ai déjà montré dans un autre vlog, mais pour ceux qui n'avaient pas écouté ce vlog-là, ben, je les représente. Bon. Voilà. Les petits pichous. Les petits pichous. Ça n'a pas l'air très confortable, je vous avouerai. Ça m'a coûté comme 12$. Ils étaient en rabais pour Black Friday. Mais c'est juste pour porter avec sa robe de Noël, donc tu sais, elle va pas porter ça à la garderie ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment juste pour une occasion, donc voilà. C'est adorable, je vais lui faire essayer tout à l'heure quand elle va revenir de la garderie. Oh là là, ça a été long là chez Dollarama. Oh my god, j'ai fait chaque allée 2-3 fois, je restais comme 2-3 minutes, c'était long. Puis ben c'est ça, toutes les bacs de rangement finalement, je les ai trouvées. Puis j'ai acheté des petites étiquettes comme ça, mais ça dit pas si c'est autocollant. Fait que là, étant donné que ça disait pas si c'était autocollant ou non, j'ai acheté un genre de petit velcro, comment qu'ils appellent ça là? Auto-agrippant collant. Fait que tu colles ça, puis après ça tu colles sur la boîte, puis là ça... En tout cas, moi je me comprends. Et là, je sais pas si... Ah, mais oui, c'est autocollant. Bon. Ben, c'est autocollant finalement. Je suis bien contente. Mais là, j'ai acheté ça pour rien. Mais je pense que je vais le garder quand même parce que on sait jamais, ça peut être utile pour autre chose. Fait que les petites étiquettes sont roses. Je sais pas si ça va plaire à Florian. On s'en fout un petit peu. Pas grave, là. C'est dans le cabinet. Ça va être dans le cabinet. Personne ne va voir ça. Ça va être un total de 19,30. Ça a vraiment pas coûté cher. Ville Dollarama, c'est pour ça que c'est mon magasin préféré. Ensuite, notre porte-poussière était brisée, il était fendu complètement. Puis on n'arrêtait pas de se dire, oh, on va en racheter un autre, on va en racheter un autre. Puis on oubliait à chaque fois 1,25$. Génial! Et puis, bon, des petits tampons comme ça pour l'eau micellaire que je me mets dans le visage. J'ai trouvé un petit livre pour Léa, ça s'appelle Au pays des neiges. Je crois que je vais l'emballer. Ça coûtait 2,50$, mais par contre, ça va pas venir de moi le cadeau. Ça va venir de ma grand-mère Mimi parce qu'elle me dit, essaye si jamais tu trouves un cadeau complémentaire, parce que ma grand-mère Mimi lui donne des vêtements pour Noël, puis elle dit, ah, j'aimerais ça, tu sais, que tu essaies de trouver autre chose. Puis elle m'avait donné un budget de comme 10$ pour un cadeau complémentaire. Cela, c'est 2,50$, c'est un petit livre, mais je vais trouver autre chose aussi, là, dans les prochains jours qu'elle puisse se développer. C'est génial, il y a des trous comme ça, il y a des belles illustrations. Je suis certaine que Léa va adorer, elle aime bien ça, lire un livre avant de se coucher. Puis ben voilà, fait que je suis bien contente de mes petites trouvailles. Faut que j'aille chercher Léa à la garderie, puis ça me tente pas, ben ça me tente d'aller la chercher, mais ça me tente pas de retourner dans le froid. Il fait 9 degrés Celsius aujourd'hui. Moi, je pensais que j'allais sortir dehors puis que j'allais faire « Wow, fait donc un chaud! » Mais non! C'est vraiment froid à cause qu'il vente, en tout cas. Mais tu sais, j'ai pas le choix de retourner chercher ma fille, hein? Flo est partie au travail. Et puis, petit feedback sur le jus de carottes, orange et gingembre qu'il a fait. Et poivron aussi, c'est vrai, il a mis un poivron orange dans le jus. Écoutez, le jus était bon, mais le jus était tellement, mais tellement piquant. Il a mis un gros morceau comme ça de gingembre. Fait que là, en fait, ça goûtait la sauce piquante. Mais là, évidemment, Flo adore la sauce piquante. Si vous ne saviez pas, là, c'est quelqu'un qui met des tonnes et des tonnes de sauce piquante sur tous ses plats.
Alors, lui, ben, lui il a trouvé ça très violent. Il me le fait goûter. Et moi, j'ai dit, excuse Flo, mais c'est comme imbuvable. Je suis désolée, comme je peux pas boire ça. Fait que là, il l'a amené au travail. Il dit qu'il va le boire. Je pense qu'il va prendre des mini-gorgées, mais il va finir par le terminer sûrement. Alors, notre note à nous-mêmes, ne jamais mettre de bout gros comme ça de gingembre dans un extracteur à jus parce que c'est trop piquant. Flo a fait des crêpes pour toutes nous, fait qu'on a un bon dessert. Ce soir, on va pouvoir manger des crêpes, Léa et moi. Wouhou! Sinon, pour souper, j'ai aucune idée. Je crois que je vais faire un saumon à Léa. Moi, ben, je déteste les poissons, tous les poissons. J'haïs ça, j'aime vraiment pas ça. Alors, moi, il va falloir que je me trouve autre chose à manger. Je sais pas encore quoi. On verra. On est quelle date, là? Là, vous regardez ça plus tard. Mais là, on est le, ben voyons, 10 décembre. C'est incroyable comment le temps passe vite. Il me semble que j'ai pas vu le mois de décembre aller. Je sais que là, on est encore début décembre techniquement. Tu sais, on n'est pas la mi-décembre encore, mais waouh, j'en reviens pas comment le temps file, comment les journées passent vite. Même si tu passes une mauvaise journée, la journée passe vite quand même. Même si tu passes des bonnes journées, la journée passe vite. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans ma vie, en tout cas, je parle pour moi. Dans ma vie, je trouve que je vois pas le temps passer. Flo va tomber en vacances le 20 décembre. Et le 21 décembre, on s'en va à Québec pour passer le temps des fêtes jusqu'au 5 janvier. Fait que ça va aller vite. Enlève la pantoufle. Elle a dit wow! Oh, c'est vrai, il y a un fil. Es-tu capable de les mettre toute seule? Do you want mommy to help you? Ouais, c'est comme ça. Oui, c'est prêt. Attends, je vous reviens, là, je vais aller aider Léa. Montez tout le monde. Ah, Honey, ils sont dans mes bouts, tes souliers. Ah, ils sont beaux. Tu les aimes beaucoup? Ah, touche pas, touche pas. Touche pas aux ciseaux. Oh, ça te fait super bien avec ta robe, là. Tu vas avoir vraiment l'air d'une princesse. Ah, on dirait vraiment qu'elle les aime, hein? Hey! Oh, ma chouette! Tu les aimes beaucoup! Qu'est-ce qu'on dit à mamie? On dit merci, mamie! Merci, mamie! Bon, ben, tu peux les garder si tu veux. Tu peux les garder, ok? Il y avait une petite... à l'entrée de la garderie, il y a comme un tableau où ils vont épingler des nouvelles, en tout cas des affaires pour les parents. Puis il était écrit que le Père Noël arrive à la garderie mercredi le 18 décembre et ils veulent qu'on achète un cadeau d'une valeur de 5$. Donc c'est pas cher du tout là, c'est juste pour le plaisir. Alors ils veulent qu'on amène le cadeau emballé, un cadeau qui va être donné à notre enfant par le Père Noël la journée du 18 décembre et ils veulent qu'on amène le cadeau avant le 16 décembre et je viens juste de voir l'affiche épinglée sur le tableau donc je sais pas ça fait combien de temps c'était là mais une chance que je l'ai vu comme ça je vais pouvoir je vais avoir le temps d'aller lui chercher un petit cadeau d'une valeur là, de 5$ je sais pas quoi encore mais en tout cas je trouve ça bien excitant tout ça. Je vais terminer le vlog ici. Merci d'avoir écouté la vidéo encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!